C'est là où nous avons la joie. C'est là où nous avons la paix. C'est là où nous recevons l'espérance. Alléluia. Nous vivons les temps de la fin. Le monde va mal. Cette génération va mal. Ce siècle présent va mal. Alléluia. Mais toi et moi, nous sommes à Goshen. À Goshen, il y a toujours de la lumière. À Goshen, il y a toujours de la joie. À Goshen, il y a toujours le bonheur. Dans toute l'Égypte, il y avait les ténèbres. Mais à Goshen, il y avait la gaieté, il y avait la joie. Alléluia. Un enfant de Dieu doit toujours être dans la joie. La Bible nous le recommande. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Soyez toujours reconnaissant à l'égard de notre Seigneur. Amen. Je vais lire un passage rapidement, nous restons debout. L'apôtre Paul s'adresse à Timothée, son enfant spirituel, dans 2 Timothée au chapitre 4. À partir du premier verset, Paul dit, conduit par l'Esprit de Dieu, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Papa, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Papa, nous vivons les temps de la fin. Papa, nous voulons écouter les ainsi dit l'Éternel. La parole qui sort de ta bouche. Car ta parole vient pour nous reprendre, Seigneur. Pour nous redresser, Seigneur. Pour nous fortifier, Seigneur. Pour affermir notre foi. Afin que nous puissions porter du fruit digne de la repentance. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur, parle à nos cœurs encore aujourd'hui. Papa, nous sommes venus, Seigneur, pas pour un homme, mais c'est pour toi, Seigneur, Papa. Car nous savons, Seigneur, que toi, tu nous portes dans ton cœur. Nous savons, Seigneur, que toi, tu as un amour pour nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu n'as point épargné ton Fils unique, mais Seigneur, tu l'as livré, Seigneur, afin que nous puissions avoir la vie en abondance. Aujourd'hui encore, nous disposons nos cœurs à l'écoute de ta parole. Seigneur, reprends-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si je boite. Reprends-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, si je ne marche pas droit. Reprends-moi, Seigneur, car ta parole a été envoyée afin de me guérir. Papa, je m'abandonne à toi. Seigneur, utilise puissamment l'instrument que toi, tu t'es choisi. Papa, laisse, oh mon Dieu, mon roi, que sa pensée devienne tes pensées et que sa parole et que sa bouche devienne sa bouche afin que ta parole, Seigneur, mon roi, Papa, nous fasse du bien. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Que ton Esprit Saint, Seigneur, prenne le contrôle de ces moments. Papa, loin de nous la somnolence. Loin de nous la fatigue. Loin de nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui est contraire à ta volonté. Papa, que nous soyons attentifs à l'écoute de ta parole. Car ta parole est esprit et vie. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois toute la magnificence dans le nom de Jésus. Nous acclamons très, 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 très fort. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder, je vais appeler son serviteur, la personne que le Seigneur s'est choisie aujourd'hui pour parler à son peuple. Là où toi tu es, tu as capté très 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 fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Shalom à tout le monde. Shalom à tous. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Acclamons plus fort pour notre Dieu. Je vous invite encore une fois à se mettre debout, s'il vous plaît.
Je veux que tu pries. Je veux que tu laisses cet instant entre les mains de Dieu. Je veux que tu dises seulement des gestes. Je suis vase vide, remplis-moi Seigneur. Je veux que tu pries pour toi, mais que tu dis que je vais être laquelle va recevoir quelque chose ce matin. Prions bien-aimés. Prions bien-aimés. Que je puisse disparaître, Seigneur. Parle de mes vies.
maintenant, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur. Je veux que je parle à une personne, Seigneur. Qu'une personne puisse bénéficier de ta parole ce matin, aujourd'hui, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Prenons nos Bibles, bien-aimés. On va lire notre passage biblique que nous avons. Vous pouvez nous asseoir. Merci. Nous savons notre premier verset. C'est quelqu'un qui peut nous lire vite. Notre premier verset se trouve dans Matthieu 7, 18 à 19. Si quelqu'un peut déjà trouver, peut faire lecture. Nous avons Matthieu 7. Matthieu chapitre 7, verset 18 à 19. Je lis au nom de Jésus. Mmh. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter des bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Amen. Luc chapitre 13, à partir du verset 6. Luc 13, verset 6. Ouais. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron. Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans un des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Oui, là c'est bon. Merci. Prenons Job 14, 7 à 9. Job 14, 7 à 9. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau et pousse des branches comme un jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il? Les eaux de lac s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se relèvera plus. Il ne révélera pas tant que les cieux subsisteront et il ne sortira pas de son sommeil. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Je suis reconnaissant encore une fois ce matin parce que Dieu m'a fait encore grâce d'être devant vous, bien-aimés. Ce n'est que grâce parce que je ne suis pas plus bien que vous tous que vous êtes là. Mais que j'ai trouvé grâce devant l'Éternel Dieu qui m'a choisi ce matin. Et j'ai trouvé grâce devant l'homme de Dieu, ange de l'Éternel Dieu devant nous, notre pasteur, il m'a fait encore grâce, il a confié à moi ce matin. Et tous les anciens qui sont là, je suis vraiment reconnaissant pour ça. Bien-aimés, ce matin, nous avons tellement qu'on va parler. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé. Bien-aimés, ce matin, vous devez me supporter un peu. Mais la parole ne doit être prêchée de toute façon, de chaque façon, tel qu'il est, bien-aimé. On ne peut pas vouloir embellir la parole. On ne peut pas vouloir, bien-aimé. Comment je peux dire? Je ne sais pas protéger, dire d'une côté, d'une partie, ou on laisse une partie parce que ça peut blesser quelqu'un. Mais si ça blesse, ça veut dire que ça peut aussi guérir. Amen. Si ça touche, bien-aimé, ça veut dire que ça porte aussi la vie.
C'est là où il y a fait mal. C'est pour ça que ça fait mal aussi. Parce que s'il n'y a pas de blessure, on peut te toucher, bien aimé. Tu n'auras pas de douleur. Mais si on touche, ça nous a dit que c'est là où il y a le mal. Si la parole de maintenant, d'aujourd'hui, ça fait mal, ça lui sache que c'est là où il y avait le mal. Je veux que vous puissiez me comprendre. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. La Bible, le livre de Jean 15, chapitre 15, verset 16. Jésus dit ceci. Ce n'est pas vous que vous avez choisi, mais c'est moi, Dieu, que je vous avais choisi. Ce n'est pas nous qu'on a choisi notre Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui nous a choisi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mais il a continué de dire ceci. Je vous ai choisi parce que vous puissiez donner des bons fruits. Ça veut dire une raison pour laquelle Dieu nous a choisi. Si je veux être un peu clair, c'est juste. Quand on cherche un emploi, si nous sommes embauchés, c'est pour faire un travail. C'est pour faire de ce qu'on a payé de faire. Si Dieu nous a choisi, c'est pour que nous puissions donner des bons fruits et pas de mauvais fruits. C'est des bons, parce que c'est ça que la Bible dit. Donner les bons fruits. Mais est-ce que, dites-moi, chacun de nous, c'est entre nous, est-ce que le travail, là où Dieu t'a choisi, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça va ou pas? Là où nous sommes embauchés, est-ce que le rendement, ça va ou pas? Est-ce que le patron, nous-mêmes, il est content de ce que nous faisons, de ce que tu fais là de ton poste? Est-ce que le patron, le propriétaire, il est déjà venu pour te dire non, ce que tu fais, c'est bon? Ou bien le patron, quand il vient, il dit quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que ton patron il dit. Je vous dis quelque chose. J'ai appris Ribel à jouer le piano. Aujourd'hui, quand je le vois à jouer du piano, ça me fait du bien. Parce que je le vois à produire ce qu'il a appris. Et je suis content, je sais que quand je vois même les filles qui chantent, il y a une différence. Quand je vois Hervé à faire de la batterie, je sais que ça lui grave sur lui, exaucé. Il est une fois que nous sommes déjà appris à exaucer, Hervé, il est en train de produire quelque chose. Mais je ne sais pas quand Dieu t'a appelé, la mission qu'il t'a donnée, est-ce que ça marche? Est-ce que tu produis quelque chose? Regarde bien. Est-ce que ça va ou pas? Moi, je ne sais pas. Je suis sûr que Dieu appelait personne qui a appelé juste pour regarder, juste pour accompagner les autres. Non, chacun de nous a une mission. Chacun de nous a une mission ici. Mais je ne sais pas quelle est ta mission. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Quelle est notre mission? Je ne sais pas. Regarde bien autour de tout ce qu'on fait. Est-ce que les fruits que tu donnes sont mangeables ou pas? Est-ce que les autres bénéficient aussi de ces fruits que nous donnons? Je ne sais pas. Cet message me concerne toi et moi, nous tous ensemble. Cet message, c'est pour nous tous ensemble. C'est une mission que Jésus a donnée à chacun de nous. C'est quelque chose qui est amis à chacun de nous. C'est la volonté de notre Dieu. Il a dit que je vous ai choisi moi-même. Ce n'est pas nous qu'on est redit non. Nous, on choisit ce que Jésus pour nous. Celui-là, non. Mais c'est lui qui nous a choisi. Quand il nous a choisi, il avait déjà quelque chose en lui. Il a dit que je vous ai choisi. Qui sont mes enfants pour faire, pour accomplir une tâche dans ce monde. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas
quand on se regarde autour de nous, je ne sais pas qu'est-ce que chacun de nous va dire. Est-ce que ça va ou non? Livre de Matthieu 7, 18 à 19. Jésus marchait. Dans son parcours, il a vu une figue qui attire l'attention de Jésus. Mais bien aimé, la Bible dit ceci, ce n'était pas l'époque des figues. Mais pourquoi Jésus est approché de cette figue? Ce n'était pas l'époque des figues. Mais il ne restait pas juste aller dans cette figue, mais il a maudit le figue parce qu'il n'y avait pas de fruits. Mais pourquoi il a fait ça? Ce n'était pas le temps qu'il se fait cette figure pour se donner le figure. Mais il a monté cette figure. Pourquoi? Bien aimé, vous savez pourquoi? Dans l'église aujourd'hui, pour nous, il suffit de venir à l'église, c'est bon. Mais il n'y a pas la conversion originale. On ne se convertit pas. On ne se convertit pas. Bien aimé, cette figure a donné la fausse identité à Jésus. Cette fille qui m'a donné que il était rempli de feuilles. Il était rempli de feuilles, l'impression que j'ai quoi à manger. Cette fille qui a montré que moi je suis sainte, je suis saint, je suis digne, parce que je viens à l'église, parce que je chante, parce que je prêche. C'était ça que cette fille qui a donné les impressions à Jésus, qui a donné l'impression de Jésus. Il vient se montrer de moment, je vais à l'église chaque jour. Mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça qui te porte. Mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que ça va vraiment ou pas? Jésus a vu des fleurs de loin. Il a dit que non. Dans cette figure, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il a vu quelqu'un qui chantait bien avec une belle voix. Il a dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Quelqu'un qui prêchait que tout le monde était là à tomber, ça veut dire non, mais ce n'était pas ça. Peu importe si vous êtes un vase, un bidon, ou quoi qu'il soit, ou une tente, une cisterne, mais ce qui porte, c'est la parole de Dieu. Peu importe, même si quand vous prêchez, les gens tombent par terre, les gens pleurent. Mais est-ce qu'il y a la vie à cette parole? Mais est-ce que les gens sont guéris? Est-ce que les gens sont sauvés à cette parole? C'était cette fausse apparence qui a tiré Jésus. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Nous disons que nous sommes les chrétiens. Nous disons que nous portons Jésus à nos cœurs. Nous disons que nous sommes, nous qui nous connaissons Jésus. Que les autres, non. Mais est-ce que ce qu'on fait, c'est vraiment ça? Est-ce que nous sommes vraiment à l'auteur de critiquer les autres dans nos vies par rapport à ce qu'on fait? Bien aimé, je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de amen, mais bien aimé, tu dois écouter cette parole. Vous devez écouter cette parole. Moi, j'ai déjà dit au début, là où ça fait, vous savez, ça fait mal parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Prêche, reprends. Censure, c'est la parole de la vérité. Amen. Bien aimé, désolé, merci. Il faut avoir un changement. Il faut avoir une conversion originale. Bien aimé, vous savez quoi? Qu'est-ce que je peux dire? Vous savez, une serpent, quand il est tellement vieux, quand il vieillisse, il fait une conversion. Mais comment il s'est converti? Il s'est converti, il s'y cache quelque part. Après, il enlève les peaux, les premières couches. Il laisse ça où il était. Après, il sort tout neuf. Mais de toute façon, il n'a rien changé. C'est toujours ce serpent. Il est toujours dangereux. Il n'y a rien qui a changé à lui. Il y a une conversion originale qu'on appelle des chemises. Comme vous voyez bien. Le papillon, il n'est pas né un papillon. C'est d'abord une chemise. Quand il vieillisse, il change de son état. Il laisse d'être une chemise, il prend ses envols, il commence à voler. Ça veut dire que, bien aimé, il change de nature, il change de tout ce qu'il était bien avant.
Le laisse d'être chemide, de marcher par terre. Maintenant, il commence à voler. C'est ça la conversion qu'on a besoin. Ce n'est pas d'un serpent qui se cache après pour faire, qui continue à mordre les autres. Ce n'est pas ça, bien-aimé. On a besoin de voir une conversion originale. Les gens qui se convertissent, si les gens qui se convertissent sont unis, c'est là où la gloire de Dieu descend. Ce n'est pas en disant gloire à Dieu que Dieu sera manifesté. Non, en faisant l'œuvre et les fruits qui se manifestent, c'est là où Dieu soit glorifié. C'est là où Dieu prend sa gloire. Quand l'œuvre de Dieu, quand les fruits commencent à se manifester. On ne peut pas bien rester là à compter les fruits. C'est que Galates nous dit, il y a plusieurs, mais toute la Bible complète, il n'y a rien que la merveille de Dieu. Tout ce qu'on fait avec l'amour, tout ce qu'on produit avec l'amour, tout ce qu'on fait à la volonté de Dieu, ce sont les fruits. Mais on ne peut pas les produire, bien-aimés, si nous ne sommes pas convertis. On ne peut pas. Et si nous ne sommes pas convertis, on essaie de nous cacher, on essaie de donner fausse identité. C'est là où nous serons maudits. Parce que nous serons dans un endroit qu'on ne peut pas. Parce que l'apôtre Paul a dit, il se trouvait dans le troisième ciel. Il a entendu les paroles qu'il ne devait pas entendre. Parce que si vous nous donnez une fausse identité, qu'est-ce qu'on va faire? On va se confier à vous. On va se confier en vous sans le savoir. On se confie à un ennemi. Parce que quelqu'un n'est pas converti. On n'est pas ensemble. Et quand on va se confier à toi, bien-aimé, on va te donner tout ce qu'il faut. On va te donner confiance. Après, bien-aimé, on va voir derrière la marche. Tu commences à nous détourner derrière. Parce qu'il n'y a pas le même esprit. On a besoin de voir du changement dans cette église. On a besoin de voir des fruits, mais des bons fruits. Des bons fruits. Parce que ce n'est pas juste ce qu'on dit que nous sommes les enfants de Dieu. Les œuvres de Dieu seront manifestées, non. Mais si nous faisons la volonté de ce qu'on appelle, de celui qui nous a appelé, de celui qui nous a choisi, et c'est là qu'on va voir la gloire de Dieu. Amen. On va prendre notre livre, de ce qu'on a revu déjà des livres. On reprend pour une fois Luc 13. Luc 13, à partir du verset 6, on va voir jusqu'à. Jusqu'à 13. Luc 13, le verset 6 à 13. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore 7 années, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jusqu'à 13, c'est bon. Lorsqu'il la vit. Jusqu'à 9. Amen. C'est bon, oui, c'est bon. Amen. Ok. Merci pour la parole de Dieu. Bien-aimé, là, c'est une histoire. Mais que Jésus parlait. Il dit qu'il y avait un maître qui avait son vigneron, sa vigne. Un jour, il est venu pour trouver quelque chose dans cette
dans cette, mais il a planté une figue dans une vigne. Une figue qui était plantée pas dans son endroit, mais ensemble avec les vignes. Mais ce jour-là, le maître il est venu pour que tu puisses trouver quelque chose dans cette figue. Mais il n'a pas trouvé. Mais la Bible dit ceci. Il a dit ceci. Ça fait 3 ans que moi je viens en toi et je ne trouve rien. Ça veut dire que ça fait 3 ans que moi je te donne à manger, je te nourris, je viens pour roser, je viens pour tout faire, mais toi tu produis rien. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans l'église. Ça fait plusieurs années qu'on écoute la parole, mais tu n'arrives pas de multiplier, tu n'arrives pas de donner ce qu'on te donne. Tu n'arrives pas de mettre en pratique, bien aimé, de tout ce qu'on attend de la part de Dieu. C'est ça qui juste veut dire cette parole. Bien aimé, le propriétaire, bien aimé, c'était lui-même le Père de Dieu. Le vigneron qui était pour garder cette vigneron, c'était Jésus lui-même. Les arbres, c'était nous. Dieu, il est venu pour réclamer. Il est venu pour récupérer son peuple. Il est venu pour que puisse trouver quelque chose de bien à nous. Mais il n'y a rien de bon. C'est-à-dire quand il vient à l'église pour bénir, quand il vient à l'église pour dire, comme il a dit à Satan, tu vois mes enfants, tu vois Job. Mais quand il est venu à l'église, il n'a rien trouvé. Quand il est venu à l'église, il n'a rien trouvé. Mais il a dit, mais pourquoi? Pendant tout ce temps que vous êtes là, pendant tout ce temps qu'on marche de la présence de Dieu, pendant tout ce temps que nous sommes nourris. Or que nous sommes les arbres plantés auprès des courants. Donc ça veut dire que nous sommes obligés de donner des fruits. Parce que chaque jour, nous sommes nourris de la parole de Dieu. Chaque jour, nous entendons la parole de Dieu. Il faut avoir des fruits. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Le Père, il a commencé à dire, ça fait 300, alors coupez-les. Vous devez les couper. Parce qu'il occupe la place pour rien. Si nous sommes à la chorale et tu ne chantes pas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Si vous êtes la prédication, tu ne prêches pas, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Vous voyez cette chaise, il est vide. Mais disons maintenant que il est vide, mais il y a quelqu'un qui est debout, il ne veut pas s'asseoir dans cette chaise. Mais ce n'est pas possible. Ou bien, tu es là assise, mais vous n'êtes pas avec nous. Ça veut dire que vous avez coupé cette chaise pour rien. On dit que non, nous sommes des pianistes, ça nous dit, c'est moi et Ruben. Mais Ruben ne veut pas jouer, il sert à quoi? Il sert à rien. Et si maintenant nous sommes nous, que Dieu est venu pour chercher, trouver des fruits, il n'y a pas de fruits. Quelle est notre importance devant le Dieu? Et pourquoi il nous a choisis? Pourquoi il nous a payés? C'est pour rien. Mais bien aimé, Jésus, il était là comme le vigneron. Il a continué de supplier le Dieu le Père. Il a commencé à dire, non Père, laisse-moi encore un temps. Je vais continuer de les prêcher. Je vais continuer d'annoncer la parole. Je vais continuer de roser. Pour qu'un jour, peut-être quand tu vas venir l'année prochaine, tu trouves quelque chose. Bien aimé, cet message, c'est moi, je suis là aujourd'hui pour t'annoncer. Si Père, il était là hier, ça veut dire que moi je portais les gars pour dire encore, je vais encore annoncer une parole aujourd'hui maintenant. C'est là cette parole qui sort aujourd'hui. Bien aimé, on dit toujours que Jésus vient bientôt, mais on ne sait jamais. Chacun de nous a sa manière de faire de sa vie. Pour les autres, après 1 heure, c'est le fin de toute chose. Pour les autres, c'est après 10 ans. Pour les autres, c'est après 1 an. Pour les autres, c'est après 10 minutes. Parce qu'à cet instant, maintenant, il y a des gens qui sont en train de mourir. Mais est-ce que tous les fumées qu'on met en toi, tu
donne des fruits ou pas. Toutes les paroles qu'on écoute, est-ce que ça marche ou pas? Bien-aimé, c'était l'église que Dieu parlait. C'était le monde. Je ne parle pas le monde, c'est l'église, c'est le peuple de Dieu. Parce que c'est nous qui nous sommes choisis. C'est cette plante de vigne, c'est nous. Cette vigne, c'est le berger, c'est Jésus-Christ qui a porté le garde, qui a laissé son trône pour descendre. Il a dit, donne-moi encore 3 ans. C'était les 3 ans du ministère de Jésus. C'était les 3 ans de son ministère. Il a dit, Jésus, il a dit, Dieu, je vais encore descendre. Donne-moi juste 3 ans. Il est descendu sur terre. C'est les 3 ans qu'il demandait au Père. Il est descendu, il a fait son 3 ans de ministère. Pour qu'il puisse planter encore quelque chose, qu'il puisse encore roser encore un pays une fois dans notre vie. Mais je ne sais pas maintenant quand est-ce que le Père viendra. Reviendra. Est-ce qu'il trouvera ce que Jésus a porté garant? Parce que là, Jésus ne dort pas jour et nuit, il intercède pour nous. Comme il a fait là. Il a en train de supplier, Père, laisse-moi encore. Laisse-moi encore cette année. Je vais encore roser cette plante. Pourquoi il n'y a pas de fruits? Autant de sacrifices que cet homme lui fait. Pour tout ce qu'il a fait dans ce monde. Pourquoi on n'arrive pas de donner, de transmettre ce qu'il a laissé à nous? Pourquoi on n'arrive pas de bien produire les fruits? Pourquoi on n'arrive pas de se convertir à 100% à la totalité des choses pour voir la gloire de Dieu? On a de servir Dieu comme si de tantôt plus tôt. On dit, on cherche Dieu à tâtonnant, mais on ne sert pas à tâtonnant. On peut chercher, quand on n'a pas voulu trouver, on cherche. Mais dès que tu trouves, maintenant tu dois le servir. Tu ne peux plus tâtonner. Ou bien tu sois là, ou bien tu ne sois pas là, tu n'es pas là. C'est ça la parole, bien-aimé. Nous devons nous positionner, savoir où nous sommes, pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là? Parce que de chaque jour, ce qu'on reçoit, on doit s'y donner, on doit produire les fruits. Quand j'étais au pays, il y avait une fille, on chantait ensemble. Quand on chantait avec cette fille ensemble, il y avait une fois, elle était baptisée, elle s'est fait baptiser. Quand elle s'est fait baptiser, c'était le jour suivant comme un dimanche, mais ils sont venus avec toute sa famille. Après l'étude, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus tous ensemble, beaucoup avec toute sa maison de famille. Ils sont venus, ils ont dit, pasteur, il a dit, pasteur, je veux que ma famille aussi soit baptisée. Mais les choses qui m'avaient étonné tellement, c'est juste après un temps que je suis venu de comprendre pourquoi elle a fait ça. Parce qu'elle a dit, ah, en bon, ça c'est bon, c'est vraiment une bonne chose. Je suis vraiment content. Venez, je vais prier d'abord pour vous, pour aujourd'hui, afin que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous allez faire. Parce qu'elle a dit, comme c'est nous beaucoup, mettez-vous à genoux. Tous ils sont mis à genoux. Mais la fille, il ne se met pas à genoux. La fille ne voulait pas se mettre à genoux. La fille, il se met directement à côté. Il a commencé à prier. Il a commencé à intercéder. Il a commencé à prier pour sa famille aussi. Directement, je viens de comprendre que ça veut dire qu'il y a un temps de semer. Il y a un temps de se mettre à genoux. Et il y a un temps de donner ce qu'on a reçu. Cette fille, elle a compris que non. Moi, ce n'est plus le temps que je puisse mettre à genoux pour que je puisse prier pour moi, mais c'est le temps que je puisse donner ce que moi j'ai reçu. Elle a commencé à prier même pour ses frères. Elle s'est mise maintenant à prier ensemble avec le pasteur. Parce qu'elle a dit non, je sais que pour les autres, ça prend un temps. Mais je veux que pour eux, ça soit vraiment, qu'ils puissent comprendre directement la parole. Pourquoi on ne donne pas de fruits? Est-ce que la terre où nous sommes plantés, ce n'est pas la bonne? La terre est rosée chaque jour, jour et matin, jour et nuit. On coûte la parole de Dieu. On coûte la parole de Dieu, bien-aimé.
Pourquoi il y a des fois on ne donne pas de fruits, des bons? Parce qu'un enfant de Dieu doit savoir où mettre tes pieds, doit savoir avec qui tu marches, qui tu es, l'entourage aussi, pour savoir qu'est-ce qu'on doit produire. Parce que si la nature nous enseigne, mais la nature n'enseigne pas aussi la bonne chose, il y a de mauvaises choses aussi. Dans le livre, si je ne me trompe pas, c'est le livre des Jean, il y avait un homme aveugle, aveugle de naissance. Il n'était pas, non, pas aveugle de naissance, mais je ne sais pas, c'est après un temps, il est devenu aveugle, je ne sais pas. Mais la Bible dit ceci, il est venu à Jésus pour que Jésus puisse prier pour lui. Il est venu, c'était pour la première fois que je vis dans la Bible, que Jésus a prié pour quelqu'un et ça n'a pas marché. Est-ce que la dernière fois que Jésus a prié pour quelqu'un et ça n'a pas marché? Il était aveugle. La Bible dit que Jésus a fait une pâte. Il a mis dans les yeux. Jésus a demandé, qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les gens, ils marchent, mais sont comme les arbres. Mais comment c'est possible? Jésus a fait un miracle. Qu'est-ce que tu vois? Il dit que je vois les gens, ils marchent, mais ils marchent comme les arbres, ils sont comme les arbres. Je ne vois plus. Parce que Jésus avait dit, non, ça ce n'est pas possible. Comment moi je peux faire quelque chose? Je peux prier, mais cette personne n'est pas guérie. Il y a quoi encore d'autre que je puisse faire? Or, pour moi, bien-aimé, nous, tant que les chrétiens, nous devons savoir où mettre nos pieds. Ce n'est pas chaque endroit qu'on rentre. La Bible dit, Jésus a dit ceci, dans les derniers temps, si vous êtes à gauche, restez là où vous êtes. Si vous êtes à droite, restez là où vous êtes. Ne bougez pas jusqu'à mon retour. Jésus savait pourquoi, parce que dans les derniers temps, il y a beaucoup de fausses doctrines. Il y a beaucoup d'endroits qui sont déjà, qui ne sont pas dignes pour les enfants de Dieu. On peut voir juste plusieurs églises comme ça. Mais on ne sait pas quelle est la réalité, la profondeur, quelle idée il sert. Cet aveugle se trouve dans une ville. Sans le savoir, c'est ça qui a causé que Jésus a prié pour lui. Mais il n'a pas été guéri. Pourquoi? Parce que cette ville-là où il était, c'est une ville maudite. Jésus a, il a dit, mais comment ça? J'ai prié pour toi et il n'y a pas la guérison. C'est la première fois. Jésus, la Bible dit que Jésus l'a bien regardé. Jésus a compris que cette ville, le ciel de cette ville, était déjà bloqué. Prenons le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas. Matthieu 11, si quelqu'un peut nous dire, Matthieu 11, 21. On va voir cette ville. Matthieu 11, 21. Matthieu 11, 21. Oui. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le lac et la cendre. Ok. Maintenant, prends Marc 8, 23. Marc 8, 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Je continue. Continue, oui. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et leur posa en chemin cette question, que dit-on que je suis? C'est bon, merci. Merci, vous pouvez nous asseoir.
Bien, mais c'était ça. Cet aveugle, Jésus a payé pour lui. Mais hors de cette ville, déjà Jésus avait déjà maudit cette ville bien avant. Ça veut dire miracle déjà fermé dans cette ville. Il ne peut plus recevoir quelque chose dans cette ville de la part de Dieu. Parce que tout était déjà bloqué. C'est pour ça que même ici, si tu te trouves dans un endroit, savoir où on passe, que lui, il n'était pas de cette ville. Il est venu. Il ne savait pas que cette ville, ce n'était pas la bonne ville. Ce n'était pas un bon endroit pour lui. Nous, tant que les chrétiens, nous devons savoir. Si nous sommes là où le ciel est encore ouvert, profitons, bien-aimés. Profitons. Il y a des églises qu'on ne peut pas mettre nos pieds. On ne peut pas rentrer parce qu'on ne sait pas si est-ce que le ciel est ouvert ou pas. Nous devons savoir tant que les enfants de Dieu. Ils ont dit que Jésus a prié, a prié, a prié. Mais rien n'a marché. Jésus a fixé les yeux, a regardé. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin? Prends tout ce qu'il y a dans toi, sors dans cette ville. Il ne faut pas saluer ni quoi que ce soit. Ne parle à personne. Quitte cette ville. C'est ça que Jésus a dit pour nous. Ne parle à personne. Va directement sort de cette ville parce que la ville était déjà maudite. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien recevoir dans cette ville de la part de Dieu. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de fruits, bien-aimé, regarde ton entourage. Regarde ton entourage. Essaye de quitter ton entourage. Essaye de te concentrer plus. Essaye encore de te donner plus à Jésus. Essaye de te donner plus à Jésus. Parce que cet homme, de toute façon, s'il a eu quelque chose à part de Dieu, parce qu'il s'est approché à Jésus. S'il était là juste, regardait comme ça, bien-aimé, il ne devait pas voir, il devait rester avec lui. Mais donnons nos vies à Jésus. Il sait quoi faire de nous. Peu importe où on se trouve, donnons vie à Jésus. Parce qu'il est le chemin, il va nous guider. Il va nous guider, bien-aimé, il va marcher avec nous. Mais aujourd'hui, bien-aimé, je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Mais ce que je viens de dire, livre de Job dit ceci, il y a encore de l'espoir dans une arbre coupée. Vous savez pourquoi il y a encore de l'espoir, même si vous êtes déjà coupé. Mais Jésus-Christ dit, il y a encore de l'espoir. Parce que là où on coupe une arbre, il donne encore des autres qui poussent. Ça veut dire que quand on est coupé, il a encore des vies. Si on coupe cet arbre-là, après un mois, si on vient, on va trouver qu'il y a déjà des autres qui vont commencer à pousser. Ça veut dire que Dieu t'accorde une seconde chance, une autre vie. C'est juste que Dieu fait un nouveau départ avec toi. C'est juste que Dieu veut t'amener une autre dimension. Dieu veut encore te bénir. C'est que Dieu entendait encore une fois ta prière. Ne sois pas bien aimé, fatigué, démotivé parce qu'il n'y a rien à marcher. Non. Soyons toujours là, même si nous sommes coupés, bien aimé. Mais continuez toujours de chercher Jésus. Parce que lui est racine. C'est lui qui nous fait pousser. Il y a encore de l'espoir. Aujourd'hui, il y a encore des temps pour se convertir. Il y a encore des temps pour donner nos vies à Jésus. Il y a encore des temps pour suivre les maîtres. Il y a encore des temps pour produire les bons fruits. On peut les servir dans tout nos cœurs, dans toutes les sincérités, bien-aimés. Cette parole, bien-aimés, est venue pour chacun de nous ce matin. Il est fini de nous prier. Je ne sais pas c'est pour qui, mais je sais de l'aimer que la parole aujourd'hui, c'est pour quelqu'un ce matin. Et si vous êtes là, si nous sommes là, prenons un temps de réfléchir, de penser pour nos vies, de penser pour tout ce qu'on fait pour notre vie. Chrétien, notre relation avec Dieu. Essaye de soigner cette relation.
On devait essayer de nous convertir. Essayer de marcher avec Jésus. De ne pas tromper les gens. De ne pas donner la fausse identité de ce que nous ne sommes pas. Formez la fin d'une chose. Qu'est-ce qu'on commence? À la fin dit qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore, ça veut dire que nous pouvons encore, même aujourd'hui, on peut encore prier, donner nos vies à Jésus pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu dans cette église. Bien-aimé, commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Dans quelle position tu te trouves? Est-ce que cette parole, c'était pour toi ou pour ton voisin? Mais moi, je ne crois pas que c'était pour le voisin. Alléluia. C'était pour chacun de nous. C'était pour chacun de nous. Je veux qu'on puisse prendre le temps de réfléchir et de penser pour nos vies, pour toutes nos actes. Est-ce que nous donnons des fruits ou pas? Est-ce que les fruits que nous donnons sont mangeables ou pas? Est-ce que les gens peuvent se bénéficier de ça ou pas? Est-ce qu'il y a des fruits ou il n'y en a pas? Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Parce que la première appel à Dieu, ce n'est pas d'aller, non. Dieu ne fait jamais ça. D'abord, il dit, venez. Dieu dit d'abord, venez à moi. Quand il dit, venez, après, il vous prépare, après, il dira, allez maintenant. Ça veut dire, si vous êtes coupés, si nous sommes coupés, c'est juste Dieu nous dit, venez. Nous sommes comme une flèche dans une arc. Avant d'aller en avant, Dieu d'abord, il nous tire derrière. Quand il tire derrière, c'est là où nous sommes taillés. C'est là où nous sommes dressés. C'est là où nous sommes, bien-aimés, guidés. C'est là où Dieu nous coach, nous donne ce qu'il nous faut pour bien maintenant prendre une bonne route. Commence à réfléchir dans ta vie. Dans l'œuvre de l'Éternel, quels sont les fruits que tu produis? Quels sont les fruits? Quels sont les fruits? Est-ce que nous sommes cet arbre qui sera maudit ou pas? Est-ce que cette faveur que Jésus a demandé, que donne-moi encore le temps, et quand le propriétaire il va venir, est-ce qu'il va trouver quelque chose dans toi et moi? Je ne sais pas. On va nous mettre debout, on va prier bien-aimé. On va prier bien-aimé. Prends un temps de prier.